Bonjour Denis, qu'est-ce que tu t'attends cette année? Bien, moi je connais plusieurs petits producteurs qui sont autour, puis là bien, je m'attends à découvrir un paquet de gens que je ne connais pas encore, puis d'aller à la rencontre de ce qu'est la Naudière. Je suis ami avec Éliane Neveu depuis plusieurs années, on couraille les mêmes circuits de chef puis de gastronome, puis j'avais envie justement de passer un moment un petit peu plus profond avec la région. Fait que j'ai accepté avec honneur le poste de porte-parole pour cette année. Donc, je vais faire des démos, il risque d'avoir des petits combats de chef, d'aller découvrir toutes sortes de produits, puis surtout d'essayer de faire rayonner dans mon réseau à moi ce qu'est la Naudière. Puis, tu sais, c'est pas très loin, hein, c'est à 45 minutes de chez nous. Fait que là, je suis vraiment à l'aventure aujourd'hui. On connaît là, la réputation des fêtes gourmandes et plus vraiment à faire. On a des produits extraordinaires dans la Naudière, puis c'est ça le but, là, c'est de faire découvrir à tout le monde, mais souvent aussi, même à l'interne, si on peut dire, les produits qui sortent de l'ordinaire dans la Naudière, on peut dire ça? Bien, tu sais, des fois, nul n'est prophète dans son pays, là. T'sais, ça prend du monde d'ailleurs pour mettre une flashlight sur qu'est-ce qu'on a devant nous, là, tu sais, ou un petit pas de recul. Moi, je pense que plus il y a de chefs un peu comme moi qui ont une bonne exposition médiatique, qui viennent à la rencontre des milieux, bien, plus ces produits-là vont rayonner puis faire partie de notre répertoire. Tu sais, la restauration, c'est une des belles scènes pour justement présenter des produits puis découvrir un peu comment ça fonctionne. Tu sais, chez nous, on sert de la langue de bœuf puis on sert du boudin depuis longtemps. Puis au début, c'était quelque chose qui était très risqué, mais de le découvrir chez quelqu'un à qui tu as confiance, puis après ça, de le mettre en scène puis de diriger les gens vers le produit, bien, c'est un peu ça notre rôle comme chef, d'être un peu ambassadeur. Donc, je prends mon rôle de porte-parole très au sérieux. J'ai vraiment hâte de faire partie de ce week-end-là puis de dévorer la région. C'est bon. Bien, je te remercie infiniment. Puis on va se voir là, durant le festival, c'est okay, ça? Oui, soyez prêts. Merci.